Mes chers amis, je vais partager avec vous une lettre qu'Am Israël a envoyée à Kadosh Baruch Hu. Et voilà ce que la lettre dit. Cher Dieu, ce serait maintenant un bon moment. Un moment pourquoi? Alors voilà. C'est un bon moment car tous les Juifs travaillent maintenant à domicile. Donc, ils pourraient facilement travailler de n'importe où dans le monde, même en Eretz Israël. Les synagogues, les shuls, les écoles sont déjà fermées. Ils peuvent tous être facilement déplacés et en toute sécurité en Eretz Israël. Les avions sont cloués au sol. Ils n'attendent que de ramener le peuple juif en Eretz Israël. Les bus en Israël sont stationnés et sont en attente de ramasser tous les juifs de l'aéroport en Eretz Israël. Les rues et les aéroports sont vides, mais bien sûr, pour accueillir Am Israël entièrement en Eretz Israël. Les hôtels et appartements de vacances en Eretz Israël sont vides, mais bien sûr, pour accueillir les nouveaux venus. Harabait, le mont du Temple, est fermé, puisqu'il est prêt à recevoir les Beth Amikdash qui descendront. Il n'y a pas de gouvernement en Israël qui fonctionne. Mais bien sûr, puisqu'on attend le vrai et stable et juste gouvernement. L'économie mondiale s'effondre. On ne peut compter que sur toi. Il n'y a plus d'Hollywood, il n'y a plus du sport, il n'y a plus de NASCAR, il n'y a plus des Olympiques. Tous ces faux dieux sont tous morts. Eretz Israël a connu une saison de pluie record. Le Kinner était plein. Il a amplement de route pour tous. D'ailleurs, il y a même rumeur que le Kinner était en train de bouger, puisqu'apparemment, le Léviathan est déjà là-bas. Le temps est doux et sec pour le reste de la semaine. Beau temps pour se promener et marcher à Yerushalayim. Pessah arrive. Et la matzah shmura, faite à la main, a un goût extraordinaire avec le korban Pessah. En plus, il y a une mitzvah pour rester à l'intérieur pendant que il y a les plaies à l'extérieur.